Bonsoir, salut, salut, bonsoir. C'est Sœur Wilyne qui entre la caille aujourd'hui encore une fois avec Savoir la parole. Moi, j'espère que vous avez une bonne semaine par la grâce de Dieu et semaine pas m'été béni par la grâce de Dieu. Et semaine ça, c'est une semaine qui, comme tu as dit, ça a fini avec le mois de février. Et nous allons entrer dans le mois de mars. Donc, déjà, challenge à annoncer pour tout le monde qui compte participer avec nous et pour le monde qui n'a pas compte participer. Donc, this time, ou bien cette fois-ci, challenge à bien plus de monde qui participe. Nous disons, bon Dieu, merci pour ça. Et nous connaissons que la bonne bénédiction pour chacun de nous. Donc, deadline, c'était hier. Donc, nous disons, bon Dieu, merci pour ça. Et nous connaissons que nous avons un mois qui béni par la grâce de Dieu. Donc, sans plus tarder, je vais juste annoncer pour quiz là que. Là, nous venons réfléchir. Moi, il est préférable pour que nous ayons des résultats samedi prochain, si Dieu veut. Parce que, faut que nous complétions moi et puis élève là, capable, student of the month. Donc, nous complétions moi avant, nous avons des résultats samedi prochain, si Dieu veut, au lieu de samedi ça. Mais je dis, nous avons des quiz. Now, before everything, please get your Bible, your carnet de notes, plume, crayon, et puis. Marqueur, parce que nous allons apprendre sur la parole de Dieu, encore la mission du Saint-Esprit. Let's sing so we can pray.
Amen. Nous allons prier pour nous capables de cet esprit, pour lui aider nous à assembler avec Jésus dans toute vie nous, tout côté que nous y dans tout ça nous fait, et surtout pour l'aider nous à comprendre nous son jeudi. Ok? On nous prie ensemble. Éternel des armées, Dieu de bonté, Dieu de vérité, nous louons, nous exaltons, nous glorifions pour ça où il y a dans la vie nous. Nous vous remercions de ce que pas je me suspendrai mais nous, pas me suspendre penser avec nous et de ce qu'on fait de nous-mêmes ça nous y a, Seigneur Dieu. Nous vous remercions parce que nous sommes ce que nous sommes par ta grâce. Seigneur, nous bénissons. Nous exaltons. Nous glorifions, nous célébrons pour fidélité et réalité dans la vie nous éternelle. Et nous vous remercions encore une fois pour privilège que nous pour nous dire qui sa parole nous dit et ceci a des jeunes cœurs, cher Seigneur Dieu l'amour, qui prend le temps et prend le soin, Seigneur Dieu l'amour, capable d'attendre, cher Seigneur Dieu l'amour, et pour capable d'appliquer ça à attendre. Éternel, désormais, nous reconnaître que, cher Seigneur Dieu, fidèle travail, ça nous va pas faire pour nous, et ça fait notre d'autant prix. Que cet esprit que nous voulons parler de lui, que nous avons place à nous-mêmes d'abord, et que nous place de chaque monde qui a regardé l'émission jeudi, et permettre que nous avons une bénédiction pour nous, Seigneur Dieu fidèle, afin que nous capable d'apprendre pour nous dépendre totalement de nous-mêmes, Seigneur Dieu, pour nous quitter cet esprit conduit, et pour nous quitter le diriger dans toute bagage, cher Seigneur Dieu, l'amour, quand c'est ça, il a pour le faire, il a une mission liée aussi pour le diriger nous. C'est pour les conduire. Nous. Père, bénis moi je dis, permettez que une bénédiction pour chacun de nous. Nous prions au nom de Jésus, le grand vainqueur, à le seul soit gloire dans tous les siècles. Amen. Est-ce qu'on pari? Are you ready? Estás listo? Sous paradigme? Yes, yes, yes. All right, guys. All right, all right, all right. Now, est-ce qu'on pari pour quiz là? Si on paradigme? Yes, yes, yes. OK. Now, quiz time. Ok, nous dit bravo à tout le monde qui t'a été joué une réponse et au même cas regardé après qui part avec nous pendant que notre émission est live au cas toujours répondre question yo please mettez dans comment section là ou pas besoin ou pas carrément mettre dans live dans chat là pendant que mettez dans comment section là n'a toujours contrôlé etc n'a toujours bon point que offert donc j'espère que c'est une bénédiction pour nous donc pas négliger question c'est juste un petit que pour nous est-ce que tu comprends le son passé yo. Alright, bon Dieu béni nous, nous allons dans la leçon jeudi. Ok, nous connaissons que nous allons apprendre sur la mission du Saint-Esprit. Jeudi, nous allons louer encore une fois deux missions que Saint-Esprit gagne. Mais avant tout, m'a rappelé, parce que nous disons ça déjà. Leçon jeudi, c'est la dernière leçon pour le mois de février. Hein, et c'est la dernière leçon sur le Saint-Esprit pour Titan ça. Après le mois de mars, ou encore après challenge, là, nous allons parler sur Saint-Esprit encore. Mais pendant, moi de mars là, nous allons parler sur l'amour de Jésus. Raison parce que nous allons lire le livre Luc là, notre challenge là, nous allons découvrir la personne de Jésus. Donc, nous allons prendre le temps pour nous parler de l'amour, ça que nous avons. Et nous invitons tout que chaque dimanche, à 6h, nous allons prier pour les perdus, pour les âmes perdues, pour nous qui parlons de Jésus. Parce que Jésus, yes, nous allons célébrer Pâques, pas sauver, nous allons dire Jésus merci pour la croix. Mais nous équipe monde tout qui pas connaît, nous équipe monde qui mourit sans lui, nous équipe monde qui vit sans lui. Donc, il est important pour que nous prions pour mon ça. Donc, tout le monde nous dédie pour ça. Pour nous prier pour les non-convertis. Et nous avons un rendez-vous avec vous chaque dimanche à 6h. Puis, un moment de prière ensemble que nous allons faire. Dans nos savons la parole et sous même, dans la même place qui c'est Oasis TV. Alright, now, leçon. Une amie sur cet esprit, c'est que il y a des directions claires. Nous sachons que samedi passé, c'était parce que nous avons parlé de ça un peu. Même pas vraiment dit ça comme ça, mais c'est ça cet esprit fait. Li bay des directions claires et précises. Et nous t'avons samedi passé dans la leçon, il y a une direction, il y a un monde que cet esprit te dirige. Il te balle une direction claire et précise, c'était Philippe. Côté que, il te dit Philippe, avance et approche-toi de ce char. Dans Actes chapitre 8, verset 29, il te dit avance et approche-toi de ce char. Like it says, the Spirit told Philippe,
go to that chariot and stay near it. Go to that chariot and stay near it. He didn't give him too much details, but it was specific. He said, go to, go by the sea, etc. He said, go to that chariot, the chariot that you see right in front of you. Go to that chariot and then stay near it. Allez avancer bon chariot ça et puis rete camper là. Donc, cet esprit lui a direction précise. Philippe Tefel, et le Philippe Tefel, il était by Philippe plus direction pour être capable de connaître qui j'ai pour l'adresser. Monsieur ça un nuque éthiopien qui était besoin de comprendre qui ça là-bas ou l'abdi là. Et c'est comme ça que c'est un homme qui était sauvé par rapport à la direction que cet esprit était by. Donc, c'est ça. Et nous, quand on est tout, non, avec des apôtres, nous connaissons que c'est avec des apôtres là, nous te considérons pendant tout le temps ça. Dans chapitre 27, là, verset, je vais lire pour nous. Mais cependant, ou même qui est en anglais, je ne vais pas lire en anglais, parce que c'est un peu trop long, c'est 6 verses. Je ne veux pas lire en français, en créole et en anglais. Là, comme trop de temps. Ou même qui est en anglais, please highlight it. Or write it down so you can read it after. Or you can follow along with me while I'm reading. It's Acts chapter 27. We're going to read from verse 21 to 26. Acts chapter 27, nous allons lire verset 21 à 26. Il dit, on n'avait pas mangé depuis longtemps. C'est Paul qui a parlé. Ça, c'est le qui a arrêté Paul. Paul a pris jeune César, etc. Paul était dans le bateau avec l'autre prisonnier. Paul était conseillé. Il dit, pour faire telle route. Mais il n'y a pas de temps de Paul. Il fait une route que côté vent très contraire. Il est tellement contraire, côté que bateau en péril, mon yon en péril, yon peuple yon mourir, etc. Donc, Paul a parlé là. Il dit dans Acte chapitre 27, verset 21, il dit, on n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors, Paul se tenait au milieu d'eux, leur dit, ô homme, il faut m'écouter et ne pas partir de Crète. Il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens, please highlight that in your Bible, it's verse 23, il dit, un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tout ce qui navigue avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai confiance en ce Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. I like that, please. Verse 25 and 23. Mais nous devons échouer sur une île. Sur une île. Donc il dit, un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. An angel of the God that I'm serving, that I belongs to, the one that I'm serving. Li paraît avec moi, li paraît sous moi, li parle avec moi. Et li dit, c'est peut-être ça. Rassurez-vous, because I believe in this God. I believe in him. I trust him, because whatever he said, it will happen. Donc Paul dit, c'est peut-être ça. Oh homme, rassurez-vous, car moi j'ai confiance. J'ai cette confiance en ce Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. Ça veut dire, Dieu parlait, ça veut dire certainement la fête. Il dit, un ange de Dieu à qui j'appartiens. Donc ça veut dire, Paul appartenu à ce Dieu vivant, à notre Dieu, notre roi, notre père. Donc, il voyait un ange, il vient annoncer Paul, un bagaille. Et puis Paul dit, le Dieu que je sers, the God that I'm serving, the one that I belongs to. Donc, il dit, lui-même, li parle et moi quoi ça le dit moi quoi ça le dit la fête j'en dis. Donc ça veut dire bon Dieu dit Paul ouais, même le paysage là même le bateau en péril même le vent vanté même le vent contraire même le gens tout bagaillé ou mettre calme parce qu'on apparaît devant César quand même. Donc ça veut dire pas inquiéter, il dit n'a pas sauvé et pas qu'un monde qui a mouri et il dit seulement n'a pas échoué sur un zilé. Donc, ça, bon Dieu, t'a dit, Paul, là, à travers son serviteur, son ange, ça t'a fait, Jean, Paul, t'a constaté ça, ou encore, Jean-Paul, t'a gagné révélation. Donc, c'est ça qui arrive. Le Saint-Esprit, une mission, lui bail précision, lui bail clarté, lui bail direction qui est claire.
Donc nous-mêmes nous avons pour devoir pour que nous capables d'être attentifs avec direction cet esprit. Si on a vécu dans la confusion, c'est pas l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu n'est pas un esprit de confusion. It's not a spirit of confusion. It's not. But ils sont un esprit de vérité, un esprit de clarté. Au contraire, c'est lui qui est illuminé, c'est lui qui est capable de faire le chemin et qui est capable de faire connaître des directions claires pour prendre par rapport avec telle ou telle chose. Donc, ça veut dire, bon, Dieu t'a fait là pour Paul, il t'a dit là Philippe, donc ça l'a fait encore aujourd'hui. Je vais vous donner un témoignage avant même que moi aller dans le deuxième point. Je vais vous donner un témoignage en Haïti, dans Radio Lumière. Il y a une dame qui dit que était a une machine, elle a une machine sur la lune. Et puis, pendant la petite machine, il était de la voix de Dieu qui a parlé avec elle, dit go machine, mais pas de machine. Nous, on est à Haïti, des fois, le trafic là vraiment il est difficile pour jouer une machine. Nous, on doit camper, il faut payer le temps pour pas qu'on joue une machine, etc. Et puis, il y a une grève tout dans le jour, donc il était difficile en plus pour être capable de jouer une machine. Et puis, il dit pendant que il campait, il était de la voix de Dieu qui a parlé avec elle, il dit on peut faire une rencontre avec Kounia. Dans le compte qu'elle fait, pas mon n'a pas parlé avant. Il va ordonner pour faire un bagaille, pas faire ça de faire. Et en plus, il va ouvrir bouche ou dire rien. Il a de la voix de Dieu. Il dit, il voit comme il fait pas la veille, il sentit un monde d'elle là. Pour moi, je vois des gens pas vivre à terre tout. Il sentit un monde d'elle là. Ça l'a regardé, monde d'elle là, mon a fait tout autour de lui, il passe devant lui, il vient camper. Pendant que je passe devant le camp, il dit qui mon il est dans ton tout coûte qui habille avec bagage carabé là valise comment valise paysan yo sous lui baron comment il est bagage uniforme ça but they have a name for it you gonna know lui donc ti mon en forme ti photo ça nous a même pas songe non OK ti photo rad ça yo qui c'est paysage bagage etc. Des fois mon qui servi job yo qu'on mettait rad ça yo OK. Je mettais et puis avec ti valise ça, li mettais sous li et puis tonton apparaît tout coup de camper devant. Immédiatement tonton en camper, gon gros camion, tant qu'canteyo qui en apparaît qui ça le fait, li camper. Fi a pas camper camion, grand monde n'a pas camper camion parce que grand monde n'a fait dame là. Camion n'est camper, les camions n'est camper et puis grand monde n'a fait dame là signe comme ça. Li pas parler avec là. Li fait ça veut dire monter dans camion voix de Dieu te dit pas ouvrir bouche dit rien il fait il calé Jésus et tout il dit non moi pas monter et puis voir ni que monsieur qui campait devant le gars littéralement parce que ça vient faire pas marcher il fâché il monter camion l'aller qui était fier et fier a dit gros quand ça on ouais les il regarder li ouais on équipe jeune fille qui en dans cantea et tant que équipe monde qui comme c'est qui corps là tant que mourir ça veut dire petit grand monde ça c'est pas deux jeunes filles pas ramasser bolaria par contre si c'est hypnotiser côté le bras laver qui sacrifice pour le faveur mais la ramasser monde et juste ça dame dans disant de la voix de Dieu qui dit on va faire rencontre kounia pas ouvrir bouche dit rien seulement ça le dit. Donc si dame ça te met mauvais bouche dit non. Définitivement d'avoir dans camion. Parce que la voix de Dieu dit pas dit rien. Et voilà que ni pas dit rien. Grand monde monte camion l'aller parce que peut-être que ça parce que il était de la voix de Dieu. Donc Saint-Esprit il a une direction qui est claire, il a pour guider nous, il a pour préserver nous de toute chute. Tout ça il m'a planifié, tout bagaille qu'a fait, but faut que nous tendez et obéir. Parce que des fois là nous tendez un bagaille nous faisons l'autre bagaille. Nous souvent échouer mais là nous tendez et nous fait exactement ça l'esprit de Dieu dit faire donc c'est la sagesse bénédiction donc moi ben nous témoigner ça moi t'attendais me partager là avec nous donc li ba direction claire et précise notre devoir pas nous our duty our job is to listen and obey donc si nous pas listen and obey donc définitivement nous pas joindre aucune bénédiction ou encore ne pas comprendre direction n'a prêté dans fouraille n'a prêté dans confusion n'a prêté n'a battre tête nous n'a pas prendre décision tête chargée raison parce que nous pas attendre la voix du Saint-Esprit même pas dans examen à faire des fois l'esprit bon Dieu doit inspirer une réponse pas qu'on réponse pour prier et puis l'esprit une réponse pour faire une logique crabe qu'il faut faire un vieux choix après ça on vit tout et tout
peut-être que ça parce qu'on pas attendre la voix du Saint-Esprit. Donc ce samedi passé nous t'ai apprendre que c'est Saint-Esprit dans tout détail. Donc dans tout détail, il demandait pour nous attendre. Et ça fait on a prié même avec David, nous demander bon Dieu une oreille qui exerce. Une oreille qui exerce, ça veut dire une oreille qui tendait, laisse l'Esprit parler. Et puisque l'exercice l'étendait, il comprend et il a fait exactement ça cet esprit d'y faire. Donc cet esprit a une direction claire et précise. Nous-mêmes nous besoin catch it and then act according to it. Nous comprenons, we get it and we do what we're supposed to be doing. OK? Donc nous comprenons ça le dire et puis nous faisons ça le dire. Donc c'est ça. Et deuxième bagaille que n'apprend aujourd'hui et puis pour nous finir, c'est que n'apprend que cet esprit en mission de gain, c'est que il là pour rendre témoignage de Jésus. Notre mission cet esprit gain, il rend témoignage de Jésus. Nous jouons ça dans Jean chapitre 15, verset 26. Il dit, quand sera venu le consolateur, the comforter, que je vous enverrai de la part du Père, l'esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Il dit, quand sera venu le défenseur que je vous enverrai de la part du Père, l'esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. When the advocate comes, whom I will send you to you from the Father, the Spirit of Truth, who goes out from the Father, he will testify about me. When the Advocate comes, whom I will send to you from the Father, the Spirit of Truth, who goes out from the Father, he will testify about me. What does that mean, testify? Qu'est-ce que ça veut dire, là, pour témoigner? Témoigner, c'est un bagaille, comme tu as dit ça, c'est un bagaille, ouais. Ou elle, ou tandel, ou vivli. Et pour qu'elle dise, oh, mais oui, et tel gens. Donc, cet esprit qui a un témoignage, peut-être qui ça parce que c'est Dieu, il est avec l'icône Jésus bien, il a parlé de lui. Il a dit, qui est Jésus? Donc, c'est ça. Il y a une mission de cet esprit, c'est que lui vient pour lui faire témoignage, pour lui rendre témoignage de qui est Jésus. Donc, témoignage que cet esprit baille de Jésus-Christ, c'est que lui fait connaître que Jésus-Christ est venu. Li mouri, li ressuscité, li à la droite du Père. Cet esprit, c'est li kaido, comprendre mystère ça, mystère l'amour et résurrection de Christ là. Cet esprit apprend témoignage de Jésus, la fait connaître que, ou connaît Jésus remè, ça a été témoignage apprend de lui. Ou connaît compassion pour pape jam fini, ça a cet esprit qui a fait travail ça pour. He loves you very much. Pas grand qu'un péché fait. Pour dire ça que lui pas pardonne parce que ou tes péchés sans ça te couler pour laver péché nous quel que soit péché et chaque temps ennemi a venir pour faire dit oh ou même qui fait bagaille ça et ta ça pour Jean etc pour Jean tes chrétiens pour Jean l'église ou même là etc laisse ça venir pour l'accuser et puis cet esprit juste rappeler just ask for forgiveness just run to the cross juste courir aller à la croix à demander pardon. Parce que sans Jésus t'est coulé déjà, il vient rendre témoignage ça. Il vient nous songer que Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, donc il vient pour faire qui ça pour venir sauver nous. Il mort, il fait qui ça pour capable venir racheter nous du péché. Il mort pour faire qui ça pour capable venir libérer nous de l'esclavage du péché. Donc qui est capable de dire nous ça? Qui est capable de rendre témoignage ça? Spécialement que Abdouli la kounyo ou pas comme si OK, il y a me compte ça Jésus mort etc. Bon gen baga ou fait, de péché ou fait, ou senti pas gen pardon. Ou senti comme si tellement offensé bon Dieu. Vous êtes tellement offensé, mon Dieu, comme si d'un coup, it's like, God is not going to even listen to my prayer. It's like, it's better to hide from God. Les gens vont me cacher, tant pour m'avancer. Mais c'est le Seigneur qui dit non. Mais qui ça la parole dit oui? Approchez avec assurance du trône de la grâce. Ou abjouez de miséricorde. Et ça dit, il dit, run to the cross. Run. Not walk. Run. Courir. Courir, aller à la croix, aller demander pardon. Qu'est-ce qui fait travailler ça? C'est le Saint-Esprit. Il rend témoignage de Jésus. Entendez, ça lui dit, quand sera venu le défenseur que je vous enverrai. Donc le défenseur. Qui est un défenseur? Il y a quelqu'un qui vient défendre. Il avait dit, mon avait une combat pour, il vient une gourmet pour, the advocate, il vient plaider des causes. C'est ça qu'il vient faire, ouais. Ça veut dire, les avocats sont venus. Les avocats sont venus, les défenseurs sont venus. Donc il prend le grand témoignage de moi-même. La faut qu'on que, pas sort comprendre ennemi en faut comprendre que me son bon Dieu comme si de pour pécher. Yes, c'est vrai, bon Dieu pardonne mes péchés, mais il aime mes pécheurs, il prêt à faire grâce à pécheur. Des pour on est repenti seulement, il prêt pour faire grâce, il prêt pour faire faveur, mais faut qu'on d'accord pour repentir et faire qu'on d'accord quitter cet esprit témoigner de Jésus.
Donc, qui témoignage, c'est l'esprit bail. C'est l'esprit bail témoignage que Jésus aimait nous. Il y a témoignage que Jésus plein de compassion. Il y a témoignage que Jésus fidèle. Il y a témoignage que ce mail était percé pour pas d'empêcher nous. Puis, quand il était percé, qu'on depuis notre tête, pour nous-mêmes, il y a témoignage que Jésus-Christ était mort, il est levé. Non seulement il est levé, il a déchiré acte condamnation qui était condamné nous. Donc, il a déchiré acte ça. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas ennemi de Dieu, mais nous sommes amis bon Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes co-héritiers de Christ. Ça, c'est cet esprit qui a dit tout ça. That's his job. Il y a un témoignage. Là, il me dit, il faut comprendre, on condamne, il dit, ah, pas de condamnation pour nous qui n'a pas dit. Là, il faut comprendre, on ne peut pas rien. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Donc, qui ça se fait, il rappelle tout le bagage. Jésus-Christ dit ça, il a rappelé tout ça, et il va dire plus toujours de moi-même. That's his job. Donc, moi-même, avant, ça nous doit faire chaque jour. Pour nous prendre temps, nous, pour nous prendre soin, sans nous, pour nous chita au pied du maître, pour qu'il ait cet esprit enseigné nous. Quand il s'est enseigné un professeur, il s'est enseignant, he is the teacher, et il a dit nous, many, he's going to teach us about Christ. That's his job. We must get ready, we must be ready, and we must put ourselves in a position so he can teach us. Nous supposons mettre dans une position pour être capable d'enseigner nous, pour être capable de montrer nous qui est nous. Et encore, ma fin avec deuxième témoignage, ça, et puis c'est, that's it for today. C'est un témoignage côté que c'est un musulman, il dit comme ça que il était malade en pile et puis il était à l'hôpital et pendant que il était à l'hôpital et puis mais tout ces traitements pas jamais guéri etc. et puis il dit qu'on je lui font rêve li, mais yo balon non c'est Zulfa et pas vraiment ça non il balon non parce que on connaît dans pays ça on pas servir bon Dieu je même dans servir bon Dieu soit en Haïti soit aux États-Unis donc c'est yo balon non qui c'est Zulfa et puis il dit côté que Hara c'est non ça celle-là les Zulfa yo bali et puis il font rêve li ouais côté que grand monde qui venait devant cabane et puis mon n'a crié et mon n'a souri bali dit à toi comprendre ça et puis pendant l'hôpital là il vient guéri il rétabli il guéri sorti l'hôpital là et puis là dit toute famille mais qui rêve me faire oui mon monde qui paraît devant cabane cap souri et cap crier at the same time et puis pièce mon pas capable d'une explication et puis dans mosquée it's like church for us but mosque for the Muslim. Yo re mosquée, là il arrive dans mosquée et puis il a parlé avec responsable mosquée qui t'a ko pasteur dans mosquée. Il dit comme ça moi font rêve pendant l'hôpital là, moi mon nan paraît bo cabane nan. He is crying and laughing and smiling at the same time. Il dit pas comprendre ça, m'explique-moi de toute mon explication par rapport à mon explication et puis monsieur a dit comme ça. Mon soeur qui crie là, c'est Jésus-Christ. Mon soeur qui crie qui sur en même temps c'est Jésus le relé. Il dit he is the Messiah. Jesus the Messiah. Il c'est Jésus le Messie. Monsieur a c'est comme des pasteur mosquée, par contre comment il est pasteur mosquée allié, mais il a servi Jésus en cachette. Parce que si il est toujours pasteur dans il connaît ses chrétiens, il a tout yel. Donc le bijasse en cachette et puis qui ça le fait, il fait tifier cadeau yon Bible. Et il dit il commence à lire Bible là et puis pendant la Bible là chaque jour il comprend l'amour Jésus. L'a comprendre le mot Jésus, l'a comprendre le mot Jésus, jusqu'à ce que l'idée vienne changer, la ville vienne changer. Et puis il dit, bonjour, voilà que papa l'a tombé sous la Bible. Le papa l'a tombé sous la Bible, papa l'a mette le dehors. Il mette le dehors. Il mette le dehors dans la rue, il n'a pas mangé, il n'a pas mangé, il n'a pas mangé, il n'a pas mangé, il n'a pas gagné. Il mette le dehors. Mais pendant que la ville changé, il n'a tout pas long seul que les Zulfa de Jésus se a converti tout. Mais quand on dit Zulfa te ravel, il a vu qu'on est ça, mais Zulfa dehors. Donc on a là tous les deux, il a fait route ensemble dans l'aria, pas un côté pour dormir, pas un côté pour manger, pas rien. Mais il dit c'est vrai, il était douloureux, mais la joie et le fait que le connaît Jésus maintenant, il était plus fort que douleur t'a passé. Vous entendez? Ça l'a passé à tes dû, mais la joie et le fait que le connaît Jésus maintenant, il était plus fort que ça l'a passé. Et c'est comme ça, c'est après maintenant aider, c'est après laisser aider, on va chaleur, après laisser travailler la donne, bah la vie fait ce aveugle. Mais malgré ça, on pas jamais abandonné la foi, pour être qui ça, parce que vous sentez l'amour que Christ vient pour vous, et vous pas d'accord abandonner, d'accord souffrir, jusqu'à ce que yon jour, vous avez une organisation qui a les portes ouvertes, c'est lui-même qui vient aider vous. C'est lui-même qui vient aider vous à vivre bien, l'aime vivre bien, libérer un business, côté que vous êtes capable de prendre soin, etc. etc. Donc, tout le monde, qui ça veut dire? Ça veut dire Saint-Esprit prend le soin. Saint-Esprit prend le temps.
Moun sa yo, moun te di ki te le pasteur, yo relo imam, imam, I-M-A-M, I-M-A-M, iman. Donc sa vle di, e ba relo pasteur, yo relo iman, ok? Timoun li di, li eksperimente l'amou Jezi. Et l'amou sa telman fort, même si l pa gen manje, moun la ka li metel de yo, yo di, ou pa, no, ou nou pa rekonnet ou kom fami ankor, la domi nan la rue, li pa jwenn manje, li pa jwenn aken kote pou repose, men li di l'amour telman envahi l. Ki eske fè travay sa? Saint-Esprit, se pa lòt moun. Saint-Esprit, li se le défenseur, li se le consolateur, se sa l fè. He is the comforter, he is the advocate. Se li ki bay fòs sa, menm nan mitan épreuve. Donc Jésus ki te di, vous connaîtrez des tribulations, mais prenez courage quand j'ai vaincu le monde. Na pon tribulation, you will know a lot of trouble, but take courage, because I overcome the world. Why? Because he sent us the spirit, the comforter, to overcome the world. Even though moun pa remen nou, even though ge persécution, donc c'est ça lié. Donc moi espérer, moi prier que moi-même avec nous ka prendre décision à partir de jeudi, hein, pour ka quitter cet esprit diriger nous, pour ka quitter cet esprit guider nous, et pour ka quitter cet esprit mener nous. Même Jean était mené Paul, même Jean était mené moun nan ta passé yo, et même Jean la prend témoignage de Jésus-Christ toujours avec moslem moun ki pa konnen Jésus, que chaque jour li capable révéler nous, li capable ba nou témoignage, parce que témoignage Jésus en pile, que chaque jour tout nan vie pa nou li capable ba nou témoignage de qui est Jésus, et que chaque jour li révéler nous pour capable connaître Jésus plus, et pour capable renmel plus, pour capable servir le plus bien, parce que c'est le but, c'est l'appel, c'est ça Jésus-Christ nous pour nous faire, pour nous renmel. Il dit que ça, que moi renmel, je vous aime comme le Père m'a aimé, c'est que ça me remet nous. Ça veut dire, papa remet nous sans limite, sans réserve. Donc, nous allons apprendre sur l'amour de Jésus. Moi, prochain, si Dieu veut, we're going to say more. But for now, please, quittez cet esprit guido, quittez le dirigeant, quittez le conduire. OK, guys, this is the same activity for this month, and this is it. Nous te well déjà, donc ça, c'est pas maintenant. I'm waiting for yours. Now, let's pray. Seigneur, nous disons merci pour grâce. Merci pour parole. Merci pour présence. Merci Seigneur Dieu fidèle de ce que fait nous connaître. Je dis encore une fois que Saint-Esprit lui bail des directions claires et précises. Merci de ce que chasseur de la même route a acheté, lui dit moi pas perdu dans route là les marcher avec. Donc Seigneur Dieu l'amour laisse l'esprit qui conduit nous définitivement nous pas perdu parce qu'il connaît le chemin. Oui, il connaît le chemin chasseur de l'amour et mon cap suivre vous même je dis ça dans parole, il a connaît la lumière de la vie. C'est ça où dit Seigneur Dieu. Donc ça fait nous voulez mon Dieu fidèle pour nous quitter conduire nous dans la vie nous chaque jour parce que pas bien la paix, pas bien repos, c'est nous pas toute la vie nous. Nous voulons que c'est eux qui conduisent. Nous voulons conduire chaque petit monde, conduire chaque parent, conduire chaque grand monde qui prend décision pour attendre l'émission jeudi, cher Seigneur Dieu. Conduis, Seigneur Dieu fidèle. Et nous demandons autant prier que cet esprit capable de prendre, enseigner nous. Mais nous voulons tout, mon Dieu fidèle, pour nous créer temps pour ça. Pour nous disposer le cœur pour ça. Pour nous disposer l'esprit pour ça. Pour nous disposer nous-mêmes pour ça, Seigneur Dieu. Nous voulons faire nos grâces, Seigneur. Faire nos faveurs, Seigneur Dieu. Moi, je voulais ça, Seigneur Dieu fidèle, pour que chaque jour, c'est lui qui a enseigné de Jésus, la témoigné qui est Jésus. Dans temps difficile, dans temps de faiblesse, dans temps de découragement, pour nous connaître qui est Jésus. Fais nous grâce, Seigneur. Nous comptons sur fidélité. Nous comptons sur grandeur, nous comptons sur puissance. Merci parce qu'on a conduit nous, on a continué à conduire nous, on a continué à guider nous à travers ton Saint-Esprit. Nous prions au nom de Jésus, à lui seul soit gloire, la victoire dans tous les siècles. Amen. Soyez bénis et à samedi prochain, si Dieu veut. Bye bye.